Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo qui nous est proposée par Marie de Belgique. Qui m'a envoyé une magnifique, que dis-je, une superbe enveloppe de tickets de la LDJ. Alors Marie, merci à toi, parce que là, t'as bien choisi les tickets, et je vais vous détailler ça tout de suite. Et pour commencer, on aura un petit pactole à 12€, facile et très vite à gratter. Ensuite, on aura le dernier jeu de la LDJ, tu tires ou tu grattes. Donc je l'ai jamais essayé, alors Marie, merci à toi, ce sera une première sur la chaîne, et on verra si cette nouveauté me porte chance. Pour continuer, on aura un x20, un de mes jeux préférés de la LDJ, suivi d'un super 500. Alors celui-là, je l'affectionne tout particulièrement, déjà d'une, parce que je peux pas le trouver dans ma région, et puis de deux, comme je l'ai dit je ne sais combien de fois, c'est le ticket en quel je crois le plus pour décrocher 500€. Et on enchaînera tout ça avec un superbe qui tout double, qui en fait, je dirais, avec le Super 500, reste mes deux jeux préférés de la FDJ. Le Super 500, pour les raisons que je vous ai citées avant, et le kit ou double, surtout pour cette petite session ordinateur, où je dirais, on a l'espoir de doubler, voire d'atteindre des sommes vertigineuses, si on a les couilles d'aller jusque là. Je crois que je l'avais déjà dit, ça. Mais on s'en fout. Le principal, c'est que j'adore ces jeux, donc Marie, merci à toi, vraiment un très bon choix. Et puis, j'ai gardé le pire pour la fin, le ticket, je dirais que j'aime le moins dans cette enveloppe, celui même qui me ferait arrêter de jouer, je dirais, s'il y avait plus que ça en vente avec des mots croisés, j'ai nommé le Mega Yes. Voilà, maintenant vous savez ce qu'on va gratter, alors c'est parti, on s'y met tout de suite, allez go. Parti pour le premier de ces tickets, on attaque directement avec le pactole. Et nos trois numéros gagnants seront le 17, le 22 et un petit 44 pour terminer. Alors allez, on va voir. Premier ticket, premier gain, ça serait magnifique. On y va, on commence tout de suite. On a un 50, donc évidemment non. Un 25, encore moins. Et puis un 36, pas du tout. Alors c'est pas grave, on enchaîne, c'est le premier ticket. 48, 28, non. Bon là par contre, il nous donne aucun espoir. On frôle même pas les numéros qu'on a. Je veux dire, on en est vraiment loin. Ah, 43. Tu vois, c'est toujours comme ça. T'ouvres ta gueule et là, d'un seul coup, il y a un truc qui apparaît. Alors, on continue. On a le 23. On avait le 22. Et puis le 38. Et on enchaîne avec le 37. Donc, si on voit bien... 0. Et on enchaîne donc avec ce nouveau fameux jeu de la FDJ qui est tu tires ou tu grattes. C'est un jeu donc qui est censé représenter la pétanque, un sport qui se pratique plutôt en été, donc un petit peu logique que la FDJ nous sorte ça maintenant. À se demander s'ils sont pas en train de pomper sur la loterie suisse romande. Alors on va déjà lire les règles et puis ensuite on va commencer à jouer parce qu'il y a plusieurs jeux sur ce ticket. Super. Alors pour le premier jeu, il faut simplement qu'une de vos trois boules soit plus proche de la boule adverse. En centimètres. Donc on découvre tout de suite la boule adverse qui est à 2 cm. Bon, là tu vois déjà, tu sais que tu joues contre un champion du monde. Donc j'imagine que je vais avoir, si la FDJ est généreuse, un 3 cm, ils vont me mettre un 7 et puis peut-être un 11, histoire de dire que je suis une vraie brêle à la pétanque. Alors on y va et on a un 8, on est à 6 cm de l'adversaire. C'est pour vous dire comme on est mauvais. Alors deuxième boule. Voilà, et on a notre fameux 3 cm pour nous dire, en fait, t'es pas si mauvais que ça, mais t'as quand même perdu. Alors, troisième et dernière boule, et puis là, je crois que c'est quoi? C'est un 9 cm, alors c'est encore pire, donc... Pas la peine de s'étaler là-dessus, on va passer directement au deuxième jeu. Et pour le deuxième jeu, faudra tout simplement découvrir plus de boules plutôt que d'autres. Voilà, alors c'est parti. Voilà, donc je gratte une ligne complète. Donc je crois que c'est paumé, parce que en fait, il faut découvrir les autres boules que ça. Donc là, ils m'en ont même pas mis une pour que je vous donne un exemple. Voilà, on y est enfin. Voilà, c'est cette boule-là qu'on devrait avoir en plus grand nombre que l'autre. Donc là, c'est forcément baisé parce que l'égalité n'existe pas à la FDJ. Tu as de toute façon perdu. Ou très rarement gagné. Donc là, j'imagine qu'il y a une boule à eux. Waouh, qu'est-ce que je suis bon. Alors on continue avec la dernière ligne du deuxième jeu, parce qu'il en reste un petit troisième après. Et je gratte tout d'un coup, comme ça on s'emmerde pas, et non, c'est baisé. Voilà, donc pour le deuxième jeu, c'est aussi foutu, alors c'est pas grave, on enchaîne directement avec le troisième. Et c'est un petit peu un jeu classique, c'est-à-dire un petit peu comme un bonus, il faut que ton score soit plus élevé que celui de l'adversaire, qui est la FDJ, donc...
ça va être très dur. Alors bah, on y va avec mes scores. On a un 3, un 0 et un 0. Je regrette un petit peu. Voilà. Oui, bah c'est ça, 0 et 0. Donc bah, j'imagine bien que les deux scores du dessous, ils sont perdus. Donc on y va, on regarde le score adverse, 3, 1 et 0. Donc bah là, par contre, j'ai gagné quelque chose sur le deuxième ticket. Alors ça, c'est plutôt cool. On va regarder tout de suite où sont mes billets. Ah mais non, pas du tout. Il a 4. 3 et 1, ça fait 4. Moi, j'ai 3, 0 et 0. Il faut additionner les scores. Donc là, non, en fait, j'ai complètement perdu encore une fois. Alors on enchaîne avec le troisième et je dirais le pire des tickets de cette enveloppe, malgré que ce soit quand même un jeu, je dirais, assez sympa, mais bon, je le porte pas dans mon cœur. Voilà, alors c'est parti, le Vegas, vous connaissez tous les règles, on commence tout de suite, allez go. Et on va commencer directement avec le craps, et on a un 5, donc il faut faire 7, il nous faut un 2. Voilà, et là, forcément on a un 1, quoi. Mais le Vegas, de toute façon, je crois que j'ai même jamais gagné 5 balles avec ce jeu. Alors, on continue en dessous, donc c'est une espèce de machine à sous avec des fruits, où il faut découvrir 3 symboles identiques. Alors, bah, c'est parti, une petite cloche, deux petites cloches, et merde, les enfoirés, alors là, ils m'ont presque fait rêver. Donc, c'est pas grave, on continue, une fraise, bah, des cerises, donc c'est baiser. Puisque si t'as pas le deuxième, ça sert à rien de t'acharner sur le troisième. Là, c'est un petit peu mal imprimé, mais de toute façon, on peut se rendre compte que c'est perdu. Alors, on attaque directement avec le jeu du dessous, qui est le bonus, hein, fabuleux. Et le bonus, bah, comme d'habitude, il y a un petit zéro à l'intérieur. C'est pour ça que j'adore les bonus. On attaque directement avec la carte de la banque, qui est une dame. Donc, pour ceux qui jouent aux cartes, vous avez deviné, il me reste plus que le roi et l'as. Hein. Ça va être chaud. Alors, on y va. La première carte, c'est quoi? C'est un valet. On a frôlé. Et puis, on a ça. Et puis là, on aura un 2. Donc, 2 et 5, tu vois, par rapport à la dame. Alors, il nous reste un jeu sur Vegas. Donc, ben, on va se le torcher. Et puis, on va enfin pouvoir passer, je dirais, au gros de cette enveloppe. Le x20, le super 500 et le kitoudou. Et mes numéros gagnants seront un petit 33, un 24. Et je crois qu'il n'y en a que 3 de numéro 1. Un 22. Non, on en a 4. Et un 1. Donc, voilà. Le but est bien sûr de les retrouver en dessous dans le 1, 2, 3 qui est représenté sous forme de jetons. Alors on y va avec le numéro 3, on aura le 28 qu'on n'a pas, évidemment, un 36 ben, non plus, et puis pour finir on a le 32 mais on avait le 33. Et c'est enfin parti pour le meilleur et on commence avec le x20. Alors pourquoi j'aime le x20 ben, parce que j'aime bien trouver un petit x quelque chose justement, et quand t'as découvert ce sigle, ben, t'as toujours envie d'avoir un très gros chiffre dessous. Alors bah, c'est parti pour mes 5 numéros gagnants, on y va et on découvre un 17, un 13, un 14, un 19 et un 42. Un petit peu plus et je croyais qu'on était tout dans les dizaines. Mais non, ils nous ont quand même donné un petit 42 qui changera ou pas la donne, on verra à la fin de ce jeu. Allez Hugo, c'est parti pour découvrir plein de X. D'accord, on a un 31 et puis un 39. Donc bah, pour finir, voilà. Donc on n'a rien parce qu'il n'y a pas de dizaines. Au moins, c'est vite vu. Alors on continue, deuxième colonne, ouais, d'accord, un 30, un 51, un 56 et un 26, donc ben, on en est loin. Mais de toute façon, tout ce qu'il nous faut, c'est un numéro, ou s'il n'y a pas de numéro, ben, un symbole, quoi, un fois quelque chose, et puis... Un fois 20, tant qu'à faire. Alors, c'est parti, putain, allez, il apparaît, ce petit fois quelque chose. Non seulement il n'apparaît pas, mais en plus, il n'y a aucun de mes chiffres qui apparaît. Donc là, ça commence à me foutre les boules, parce qu'il reste plus que deux colonnes. Alors, on y va, avant-dernière colonne... Putain, j'ai mon x2. Bon, j'ai déjà gratté. Malheureusement, je grattais un petit peu trop vite. Et puis, on a découvert qu'il y a 5 euros dessous. Donc, ça fait déjà 10 euros. Alors là, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Surtout que c'est pas fini. Il nous reste encore des trucs à découvrir. Alors, est-ce qu'on peut avoir deux fois le sigle, fois quelque chose sur un ticket? Ça, je suis pas assez calé dans les tickets à gratter pour vous le dire. Alors, on continue. 43, bah non, c'était un 42. Donc, on passe à côté. Un 12. Je vérifie. Non, on a le 13. Voilà. Le 35. On s'en fout. J'attaque la dernière colonne, 36, 32, un petit 59, et puis pour finir, on aura un 41. Donc rien de plus sur ce ticket, mais déjà 10 balles, c'est cool. Allez, on enchaîne avec le suivant.
Et le suivant, ben, c'est le fameux Super 500. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés parce que c'est vraiment le jeu où tu as le plus de possibilités de gagner 500 euros. Ainsi que le 10 ou Super 200 où tu peux gagner 200 euros très facilement par rapport à d'autres jeux où on peut gagner beaucoup plus, des sommes comme 500 000. Mais là, on n'arrive même pas à décrocher 100 ou 200 euros. C'est très très difficile. Même 50. Alors, ben, je dois l'avouer, dans cette vidéo, c'est le jeu dans lequel je fonde le plus d'espoir. Alors, ben, on y va tout de suite, on découvre nos 5 numéros en espérant qu'il y a un beau 500 euros dessous. Allez, go. Premier numéro, 1,25, 1,21, 1,36, 33, 26, et pour finir, on aura 1,37. Allez, il faut absolument qu'on découvre un de ces numéros, et puis avec la plus grosse somme du ticket, c'est-à-dire 500 euros. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 1,3, bon, on n'a pas d'unité, donc c'est... Ah, d'accord, ok. 1,42, ça, on n'en a pas non plus, et puis on a 1,32. Bon, on n'a rien, quoi. Alors, on continue. Deuxième colonne, on aura 1,27, 1,14, 1,16 et 1,19. Mais comme dans le jeu, ben, par rapport au jeu précédent, on n'a pas de dizaine, ça ne nous sert absolument à rien. Donc une colonne pour des choux. Donc ben, on enchaîne avec la troisième colonne. Allez, sortez-moi franchement 500 euros là. 1,23, 1,12, mais les unités, on a dit que c'était pas la peine. Les dizaines, je veux dire, mais les unités de toute façon non plus. Puis là, on se rend compte que la troisième colonne, c'est aussi chou blanc. Mais heureusement, il nous en reste 3. On n'est qu'à la moitié du ticket. Allez, on y va, on continue. 1,2, on s'en branle. 1,34, on avait le 33, donc tu vois ce que je veux dire. Le 44, même tarif. Et puis, quand on 46, bah... Avant-dernière colonne de Super 500, c'est parti, 47, 22, 40 et 31. Donc, si je regarde, chou blanc. Mais ça veut rien dire, des fois ça peut être le dernier numéro qui apparaît. Alors, on y va, 1,7, les enfoirés, 1,8, les fumiers, 1,31, je vais peut-être arrêter de les insulter. D'ailleurs, c'est 1,30. Que j'ai pas, et puis le dernier numéro, allez, fais-moi, et ben non. Ce Super 500, malheureusement, ne nous aura pas fait rêver sur ce coup-là. Et on finit avec le kit ou double. Alors j'ai gardé ce jeu pour la fin parce que tout simplement, bah, si on découvre une somme, on ira se taper la petite session ordinateur tout de suite après, quoi. Et franchement, j'espère qu'on va pouvoir s'en faire une. Alors, on va découvrir ces 4 symboles euros en espérant que les numéros qui sont dessous soient gagnants. Allez, c'est parti. Et on aura le 43, le 40, le 32 et le 48. C'est parti, on croise les doigts et on espère en trouver au moins un, histoire d'aller se faire cette petite session. Allez, go. Est-ce qu'on a 1,22, non, merde, 1,25 et 1,12. Donc, que dalle. Bien. Ça fait chier quand même. Donc, 1,17, 1,21 et 1,28. On est loin de tout, et ça commence à me faire peur. Hein. C'est le dernier ticket, et puis pour l'instant, ben, on n'a eu qu'un gain avec qu'un seul ticket, qui est le x20, donc avec 10 balles. Mais je vous rappelle quand même qu'il y avait 21 d'investissement, donc ça serait quand même bien de faire au moins ça, mais j'ai l'impression que là, on est un petit peu mal barré. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, peu importe le résultat, Marie, je te remercie pour l'envoi de ces tickets. Allez, on y va, on continue, et on a 1,35, 1,33 et 1,39. Et bien sûr, ben, on les a pas. Alors, ben, on continue avec 1,1, 1,19 et 1,41. On tourne autour à chaque fois, on a le 43, on a... Mais enfin bon, le 49 à la place du 48, mais c'est tout bout, quoi. C'est tout, il n'y a absolument rien d'autre. Alors, on y va, le 23, le 16, et le dernier numéro, bah, ce sera 1,9, et puis bah, comme on s'aperçoit, c'est de nouveau perdant. Pas de session ordinateur, dommage. Bienvenue dans le monde réel. 10 balles, ce sera le seul gain pour cette session de grattage, malgré tous ces super tickets que Marie m'a envoyés. Encore une fois, Marie, merci à toi. Et ces petits 10 euros vont rejoindre ma cagnotte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en allant sur Utip, Tipeee. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Ces trois trucs portent le même nom, mais de toute façon, il y a les liens en description. Et d'avance, je remercie tous les gens qui prendront le temps d'aller voir une petite vidéo sur Utip ou Tipeee. Voilà, ceci étant dit, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.